Oui.
Très bien, merci. C'est très bien. Oui. Super. Et je pense qu'elle a bien aimé, c'est surtout la demoiselle à qui il faut demander. Oui, c'est super bien.
Adrien, 16 ans, de Paris. Il est super content. Ouais, c'est super. Pour Viasté, là, pour moi c'était super, j'espère qu'il en était de même pour eux, pour moi c'était formidable. Un grand geste déjà. Mademoiselle, ben, tu as interviewé. Merci, oui c'était très bien. C'est pas là. Et bien voilà, donc la journée est presque terminée, après une aventure quand même assez extraordinaire entre la vallée de l'Ortaule et Sartène, où un cortège un peu fou quand même, il faut le dire. On a eu même un petit peu peur, mais enfin c'était génial, tout s'est quand même très très bien passé. Et beaucoup de bruit, beaucoup de klaxons, un petit peu de pollution aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est franchement plein de sensations pour tout le monde, voilà, pour tous ces enfants, tous les participants, et puis tous les journalistes aussi qui ont accompagné cette aventure qui se termine franchement en beauté. Alors, il faut rappeler aussi, enfin, qui se termine en beauté pour cette journée. Avant, dans une heure et demie, une très très belle soirée avec avec des groupes corses, voilà, qui vont chanter donc toute la soirée. Un feu d'artifice aussi qui va clôturer donc cette journée. Et dernier jour de la croisière, demain, départ de Propriane pour Ajaccio, voilà, où donc les voiles de l'espoir vont se terminer demain soir. Et à l'année prochaine pour une autre aventure ailleurs, on ne sait pas encore où.